coucou Spectra. Ouais, t'inquiète, c'est normal, les messages précédents. T'explique. J'ai tout cassé Twitch. Du coup, tout mon setup visuel et audio a sauté. D'ailleurs, je ne sais même pas si le micro c'est bien, hein. Du coup, même l'endroit où était mon chat avait sauté. Du coup, j'ai dû refaire mon chat, mais pour être sûr que ça ne coupe pas les mots quand vous parlez, j'ai balancé un petit Lorem Ipsum pour être sûr que comme ça, voilà, j'avais le grand texte, je voyais, je pouvais régler. Voilà, je sais pas si le micro là actuellement ça va, je te jure, c'est la panique. Je devais me poser pendant 1 heure en rentrant du boulot avant de stream. J'ai passé 45 minutes à essayer de tout réparer en urgence. Parce que j'ai tout cassé. Mais vraiment tout, hein. Donc j'espère que ça va aller. Ça va le micro. Cool. Merci, Matt. Parce que vous vous souvenez, j'avais changé ma carte graphique et je sais pas, Twitch, il détectait. Enfin, OBS détectait plus mon micro. Attendez, je vous mets l'image du jeu, c'est quand même plus agréable à voir. Voilà. OBS détectait plus mon petit micro. Et du coup, bah, en fait, ça avait fait sauter tous mes filtres, dont les filtres qui font que, genre, quand Kissy faisait du bruit derrière, on l'entendait pas trop. Là, vous voyez, on entend encore un petit peu ma chaise qui grince. Bon, tant pis, ça c'est pas grave, je lui demanderai de resserrer les vis de ma chaise. Mais le souci, c'est que par exemple, si je vais faire un truc où je vais taper au clavier, on va sûrement l'entendre. Et je n'arrive pas. J'ai retrouvé la vidéo tuto que j'avais utilisée et j'arrive pas à retrouver le même truc que j'avais fait. J'arrive pas à refaire. Et je vous jure, ça fait 1 heure que je suis dessus. Après le boulot, j'en peux plus. Donc j'ai abandonné et je me suis dit, bon, au pire, ça ira comme ça. Et donc, comment vous allez? Parce que bon, bah, moi, ça va pas trop du coup, mais on va essayer que ça aille un peu. Bon, déjà, j'ai l'air d'avoir réussi plus ou moins à remettre le chat. Sympa, toi, hop. Non mais c'était vraiment une catastrophe, hein. J'avais tout cassé. Bon, moi de mon côté sur Pokémon Snap, j'ai un petit peu joué. J'ai un petit peu joué. J'ai un petit peu débloqué plein de zones. Alors, je sais pas si on a encore d'autres zones à débloquer. Je pense que oui, parce que j'ai pas encore trouvé de zone enneigée alors que j'en avais vu. Ouais, je sais. Je sais, mauvaise idée. J'ai débloqué donc depuis la dernière fois, donc on avait été, je crois qu'on avait fait la mer, je sais plus si on avait fait ça, mais on avait fait la mer. Je crois qu'on avait peut-être fait le désert, mais en tout cas je sais que j'ai débloqué entre temps le volcan. Oui, le grade VIP! Bravo! Alors attends, comment on fait? Moi j'ai 75 ans. Attends, je sais faire, peut-être. Je vais essayer sur le téléphone, je te promets rien. Sinon, attends, tu sais quoi? Regarde. Je me mets en pause. Et je vais aller sur le PC parce que si ça comme ça, on va pas s'en sortir. Je suis toujours là, hein. Je te donne le... Je suis toujours là. Ah! Mon écho. Je te donne le grade VIP Spectra. Comment on fait? Comment fonctionne Twitch? Après tout, de toute façon, là, voilà, je suis dans un état lamentable. J'ai plus de clochette, je suis pauvre. Mais t'es VIP. Alors attends, comment on fait? Alors, je crois qu'il faut que j'aille dans paramètres. Crois que je vais demander à Google, hein. Peut-être. Mettre quelqu'un VIP sur Switch. Ok, Google. Alors, si je fais ça. Que ça fonctionne, Spectra, essaye de parler dans le chat. Je crois que j'ai réussi. Yes, ça fonctionne. Comme ça, le jour où je décide de fermer le chat à tous ceux qui sont pas VIP, et ben il y aura plus que toi qui pourras parler. Peut-être que tu actualises de ton côté. Moi de mon côté, je vois VIP, hein. Tu as un petit diamant et tout, c'est tout mignon. Attendez, maintenant je vais remettre le stream. Pas mal aussi. Voilà. Bon, du coup, j'ai débloqué, je disais, deux autres zones. Donc, on a le volcan et la zone brumeuse, un peu bizarre. Alors, j'y suis allée, je crois, qu'une fois. J'étais complètement paumée. Le volcan, je sais plus combien de fois j'y suis allée. Peut-être une fois aussi.
Exactement, Spectra. Donc je sais pas trop, je pense qu'il y a d'autres zones à débloquer. Hein. Parce que oui, j'ai débloqué ici la source Lumina. Et vous voyez, la zone brumeuse, elle est toute bizarre. Je fais que de se téléporter. Je vais vous y emmener parce que c'est celle qui m'intrigue le plus. Il y a un truc qui me dérange dans le chat. Je trouve les lettres un peu trop grosses. Je changerai ça la prochaine fois, c'est pas bien grave. Et coucou Yaz. J'ai presque refait tout bien mon setup. Si bien presque. Hein. Au niveau du son, on va dire que ça ira. Donc du coup, dans la zone brumeuse, genre, je la trouve très très bizarre cette zone. Oh, c'est quoi ? Quoi ça ? Tu veux une... Attends, non, une pomme. Comment on lance des pommes ? Je sais plus où est. Pas de pomme ? J'ai plus joué. Terrible. Elle est très... Oh. Elle est très bizarre cette zone. Ah, ça doit être lui là. C'est tout bleu comme la pierre. Parce que la dernière fois que je suis passée, ça me disait regarde, il y a quelqu'un qui fait voler la pierre. Mais on sait pas c'est qui. Non, c'est pas lui peut-être. Il tourne le dos. Non. Elle est giga bizarre cette zone et j'arrive pas, bah, j'arrive pas à me repérer en fait parce que il se passe ça tout le temps. Oh toi tu es beau toi. Toi tu es magnifique. Jamais venu ici. Des pommes. Mais vous êtes tous magnifiques ici. Je suis jamais venue là. Elle est toute sous les feuilles, je sais pas comment les... Oh, quelle beauté. Comment les faire sortir de sous la feuille. Je balance plein de pommes. À force que je le tabasse, peut-être qu'il... Oh putain, il m'a fait peur. Ok, faut le tabasser. Très bien. Oh, tu es trop beau. Oh non. Ouais, c'est la deuxième fois que je vais dans la zone brumeuse. Elle est très bizarre, mais elle est très cool, je trouve. On sait pas trop à quoi s'attendre à chaque fois. Il m'a fait un sourire, je crois. Je peux danser. Une pomme. Je suis un peu énervée là. Pardon. Tard cette zone. Oh. Oh. Je veux un psy. Une pomme. Non, je crois. Non, je lui s'en bat les couilles, il n'en veut pas. Je comprends pas. Parce que encore dans certaines... Oh, je peux le faire tomber. Je suis un peu énervée, je crois. Oh. Non, mais moi, j'en veux un. Vous me suivez ? Moi, je t'adopte. Ah.
Ah, faudrait que je regarde dans les photos que j'ai prises hors stream, voir s'il y avait des petites photos qui étaient sympas. Je les ai mis sur Twitter, je crois, celles que j'aimais bien de toute façon. Oui, donc ici, j'étais déjà venue. Avec lui, là. Oh, je suis tellement heureuse qu'ils aient décidé de faire ce jeu. Je n'imaginais même pas à quel point. Je suis toujours aussi nulle pour viser. Je suis pas sûre. Ouais, je pense pas assez à scanner. Hein. Faut que je scanne un peu plus parce que parfois il y a des petites. Parce que parfois en scannant, en fait, on trouve d'autres chemins à prendre. Et là, j'ai pas trop l'impression. Quand tu te caches, viens. Bulbizarre, qui est l'un des Pokémon les plus mignons. Je sais pas si j'avais pris en photo déjà celle-ci. Ah oui, il y avait lui là-bas la dernière fois. Je suis un peu trop loin. Faut que j'y pense. Mon but, c'est de choper déjà une fois à chaque Pokémon et ensuite de faire chaque étoile. J'ai quand même pas mal avancé, je vais vous montrer. Pas mal avancé sur certains trucs. Alors, yes. Bah déjà, je pars du principe que dans tous les cas, je lui montre les photos. Déjà, j'ai eu du 2 étoiles que j'avais pas eu avant. Avec sa tête, là. Pistigris, j'ai eu du 2 étoiles aussi. Attends, je préfère. Oh, moi, j'adore celle-là. Oh bah une étoile, j'avais jamais eu de une étoile donc c'est nickel. Oui, c'est la première fois qu'on l'a. Alors. Bah comme ça on le voit mieux, je trouve. Mais c'est une étoile. Non, on va partir sur du 2 étoiles, hein, tant pis. Là on a que eu du une étoile, mais vu qu'on en avait jamais eu avant, bah, c'est pas si mal que ça. On va prendre celui-là. Là donc. Lui, il est beau. Ruines antiques, on les balance. Je peux balancer les ruines antiques et les fleurs. Hein. Alors, Bulbizarre, bah, du 2 étoiles, c'est parti. Bah, j'ai pas eu du 1 étoile avec lui. Hein. Et Vivaldin, et bah, Vivaldin, du 1 étoile, nickel, c'est ce qu'il me fallait. Et là, c'est quand j'ai tiré dans tous les sens sans rien prendre, ouais, de particulier. Ah non, mais Bulbizarre, oh là là. Moi, c'est un de mes starters préférés. Hein. Je trouve que le son du jeu, il est un peu bas ou c'est moi? Vous me dites, hein, moi, je peux l'augmenter. Hein. Alors, oui, effectivement, c'est mieux celle-ci. Et point. Bon, j'ai malheureusement appris qu'il n'y aura pas tous les Pokémon. Oh, j'adore celle-là. Dans le jeu, hein. Après, c'était logique, entre guillemets. Est-ce que si jamais ils se mettent à faire des DLC qui rajoutent des zones et des Pokémon, je paierai? C'est fort probable. Oh, je les avais déjà prises, les ruines antiques là, donc c'est bon. Ah, donc j'étais jamais venue là. Vous avez découvert la partie automnale de la forêt sibylline. J'étais jamais venue, donc c'est aléatoire. Oh, ça craint. Parce qu'à chaque fois, on passait d'une zone de brume à une zone éclairée, c'était une sorte de téléportation. Du coup, je me posais la question s'il y en avait d'autres zones comme ça. Bah, effectivement.
au niveau de mon dex, où j'en suis. Je suis à 107 Pokémon enregistrés. On est quand même pas trop mal, je sais pas... Il nous montre pas combien il y en a en tout. Hein. On a 6 pages. Ah oui, j'ai pu faire aussi des photos dans la base. Au niveau de la carte, je pense qu'on va pas avoir plus que ce qu'on a déjà. Ouais. Bon, voilà. Et il y a collection. On a des fleurs. Et on a aussi des ruines antiques à prendre en photo. Donc je sais pas combien il y en a encore de différents. Et du coup, attendez, si je vais là, je crois, ouais, je peux me balader dans la base. Donc c'est juste un tout petit tour hein, de la base, mais on peut prendre en photo les Pokémon qui sont dans la base, donc c'est plutôt cool. Pour réveiller un Meowth. Et on a toujours les petites quêtes à faire, hein, mais... compris comment faire celui-là encore. Paraît-il que lui, là, j'ai une quête où faut que je le vois en train de faire le con. Et j'ai toujours pas vu... Plutôt c'est que la deuxième fois que je viens là. Un peu la flemme de passer toute ma balade à le regarder alors que... Miam miam miam. J'arrive à le prendre en photo. Une pomme, pardon. Oh, désolé. Waouh. Oh non, c'est trop cool. Le pauvre Evoli s'est tout pris dans la gueule à cause de moi. Une horrible personne. On a un petit simulard. Moi, je sais pas si faire en sorte qu'il me regarde. Regarde-moi. Pas me regarder, hein. Non, ne l'intéresse pas. Petra qui se réjouit de la souffrance des Pokémon. Machin hyper dur à photographier. Faut que j'arrive à en choper un pendant qu'il fait un salto, mais. Fais salto. Ouf, trop. Bon, attention, je te surveille. Hein. Je te surveille. Je vous surveille. Non, tu fais pas de salto. Tu es trop mignon. Des points. J'essaye des trucs. Hein. T'inquiète pas, Mode. T'inquiète pas. Mais je sais qu'il y a un truc là, mais je sais pas comment on les sort de là, alors. Tapez dessus. Oh oui. Tac tac tac. Je te vois. Mange une pomme. Hein, une pomme. Une pomme. Une pomme. Mange une. Ouais, mange. Tu es si beau. Mange. Yes. Pouic pouic. Lui, je l'ai pas vu faire le con, hein. Oh comment. Comment on fait. Des trucs là-haut, je vais pas penser à regarder en hauteur. Alors, j'ai des nouvelles photos de Meowth, donc j'ai du un étoile, donc on va prendre du 1 étoile. Je suis désolée pour les bruits si vous entendez, il y a toujours des travaux hein, là où j'habite. Donc un étoile aussi, enfin une étoile aussi, pardon. On va prendre celle où on le voit bien. J'aime bien. Et Tourmi, rien de nouveau. Hein. On va prendre celle-ci pour les points. Et Evoli, pareil, rien de nouveau. Mais on a quand même Evoli qui se prend une sacrée chiasse dans la gueule. Donc moi j'aime bien. On va prendre celle-ci et on va la garder. Je peux la sauvegarder tout de suite ou pas? Non, pas tout de suite.
Oh, jamais, jamais. Alors hier, on a regardé avec Kissy la rediffusion de Bob sur Resident Evil 8. J'étais cachée derrière ma couverture tout le long. Voilà. C'est 3 étoiles? Ah ouais, c'est 3 étoiles quand même, hein. Alors là, on a du 1 étoile. On va prendre 1 étoile, hein, pour les points. Allez, on va prendre celui-là. Et le sapero, donc c'est la première fois qu'on le prend en photo. On va prendre tout de suite le 3 étoiles. Et là, il n'y a rien. Alors, étourmi, je vais prendre celui qui vole. Je vais garder celui qui vole, je le trouve beaucoup plus joli. Oui, Spectra est devenue VIP. Alors non, mais attendez, cette photo est incroyable. Genre vraiment, je... Oh, c'est ma photo préférée. Je crois que je la mets sur Twitter tout à l'heure. Non, j'ai pas vu encore, j'ai regardé que la rediff du premier épisode. Lui, il bouge pas, hein. Lui, il fait sa vie, hein. Elle est très sympa, cette photo, je trouve. Il est tout mignon. Bon. Tout bon. Eh, vous avez vu l'XP qu'il faut pour augmenter la base? C'est abusé. Alors, mettre l'album à jour. Oui, 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 oui. S'il vous plaît, je veux à tout prix garder cette photo. Elle est beaucoup trop précieuse. Je vous emmène au volcan. Donc, attendez, parce que j'ai des quêtes et tout, je regarde même pas. Alors, c'est quoi ça? Tout à l'heure, j'ai vu un bon bidou prendre une pose trop mimi, la patte sur la joue, mais c'est dur de prendre en photo vu sa petite taille. Bah, les gars, moi j'ai rien vu, moi. Hop, hors du trou. Ah, oh, punaise, ça veut dire qu'il faut que j'y retourne pour faire cette quête-là. Alors que je viens de le faire, hein, mais... Au-delà des apparences, ça j'avais vu. Mastouf est généralement calme et posé, mais il lui arrive parfois de s'exciter et de se mettre à courir partout. J'ai pas encore vu faire. Là-dessous, je sais pas, j'ai tout essayé, j'ai tout balancé, il se passe rien. Ah, c'est du farming, hein. Eh, des quêtes que j'ai, en plus. Donc on va aller au volcan, je vais regarder vite fait les quêtes du volcan. J'entends souvent un Pokémon fredonner dans cette zone. Je me demande à qui appartient cette jolie voix. Je sais pas. Ça, je l'ai vu faire. Chimpanfeu qui lui a montré son derrière. Mais j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps de prendre la photo parce que j'étais trop à fond dedans. C'était trop mignon. Les Areotérix sont plutôt du genre méfiants, mais ils se sentent assez en confiance. Non. Ouais, donc il faut que j'arrive à leur filer des pommes et les prendre en photo pendant qu'ils courent. Des pommes, très bien. Et ça, je l'ai vu faire, mais j'ai pas eu le temps de le prendre en photo. C'est un Limagma qui remonte une cascade de lave. Et mais genre, il va super vite, donc c'est assez galère à prendre en photo. J'essaierai de le faire sur ça. Ça, je peux essayer de le faire. Ça et ça, je peux essayer de le faire. Le reste, je vous promets rien. On part au volcan. Volcan, j'en suis où? Je suis au niveau 2, donc il y aura peut-être des choses qu'on va changer depuis la dernière fois. Sachant que, de ce que j'ai compris, le niveau 3, c'est le niveau maximum, parce que j'ai une zone qui a atteint le niveau 3, et depuis, je peux monter de niveau dessus. Oula, oui, c'était pas comme ça la dernière fois. Bonjour, tu es magnifique. Oh. Oh, la tête. Oh non, tu es... Oh non, reviens. Tu as... Oh non, revenez. Je veux vous adopter. Non, ils sont partis.
passe beaucoup trop. Oh, je sais pas ce que c'était, j'ai pas eu le temps de prendre en photo. Coucou! Ah! Il est un peu en feu. Il va trop vite lui aussi. Quel enfer! Et là-bas, il y a un. C'est hyper dur. J'arrive pas. Ça passe. Il est content, il est content. Il salto, il est content. Des pommes? Ah, mange, mange la pomme, mange la pomme, mange la pomme. Regarde, elle est belle. Oh, la belle pomme. Oh, la belle pomme. Du coup, il n'y a pas l'autre. Faut que je retourne peut-être au niveau 1 pour qu'il monte ses fesses. Il n'y est pas l'autre gros de la dernière fois. Ah, c'est lui que j'ai vu. Mais je vais jamais réussir à le prendre en photo celui-là. Oh, il est là. Oh, magnifique. Dors. Ouh. Il a l'air d'être très motivé. Il y en a plein en fait. C'est le bordel hein. Bon alors vous calmez les gars hein. Vous allez trop vite pour moi. Vous voyez pas la musique? Ouf. C'est très joli ça. Il y avait pas ça la dernière fois que je suis venue ici. Alors je sais que je peux faire tomber... les gravalanches comme ça. Dis donc. Pardon. Une horrible personne. Salut Salamèche. Ça va? Oh, il a l'air d'aller bien, hein. Calme. Donc effectivement, j'étais pas passée par là la dernière fois. Vachement joli ici. C'est trop mignon. Pomme. Mange ta pomme. Sois content. Va manger une pomme. Sois heureux. Très très brillant tout ça. Il se passe quoi ici? Il est en train de vivre sa meilleure vie. Je sais pas ce qui se passe. Oh toi, reviens. Non. Je t'aime. Oh pardon, je t'ai tapé. Je suis en train de... Oh, j'avais jamais fait un feu. Viens. Non, ça fait des bruits. Oh là là, là 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 là. Pas où on est là, mais c'est très bizarre qu'on en voit. Une fangirl là. Vous voulez une pomme? Pas content. Oh pardon, désolé. C'est pas considéré comme étant des ruines à photographier ça. Donc je suis pas du tout passée par le même endroit que la dernière fois. Quelle beauté. Incroyable. Une pomme? Je propose hein. Ça a l'air de lui plaire. Non? Exprime ta joie un peu mieux que ça quand même. Une grotte pour au-delà. On peut pas aller plus loin. Enfin, on va s'arrêter là. J'ai l'impression peut-être qu'on pourra explorer un peu plus la prochaine fois quand on passera de niveau. Je vais rien de plus ici. Hein. Bon, j'ai un petit peu mitraillé là encore. Hein.
J'ai eu des nouveaux Pokémon. Bon, déjà, j'ai eu ça. Malheureusement, j'ai pas fait de nouvelles photos. Pour les points. Ixi, c'est un nouveau Pokémon. Donc, j'ai que du une étoile. En même temps, j'ai galéré à le prendre en photo à chaque fois. Prendre celle-là. Typhlosion. Je monte jusqu'à 3 étoiles quand même. Hein. Là. Écoutez, ouais, j'avais déjà fait du 3 étoiles. Donc, on va se casser. Enfin, se caler, pardon. Sur le une étoile. Et on va prendre celle-là. Elle est pas mal. Champ en feu. Ah, bon, on a du 2 étoiles. Nickel. Ah, je l'ai en mode patte en l'air là. C'est marrant. Ah bah celle-là, elle est pas mal aussi. Lui, alors. 2 étoiles. Oh, j'avais même eu... J'ai pas vu ça. Bah écoutez, on part sur du 4 étoiles, carrément, encore mieux. Hein. Lui, à chaque fois, j'ai... un peu galéré. Mais il était pas motivé à me montrer sa petite tête. Le Ptera, nous avons du 4 étoiles aussi. Et on se débrouille pas trop mal. Hein. Alors 3 étoiles, j'avais déjà eu... Donc on va partir sur du 2 étoiles. Celle-ci, elle est mignonne. Hop. Et des ruines. Alors, je les avais déjà photographiées ici. Non, c'était d'autres ruines. Par là. Et parti. Moi, je vais faire celle-là. Ixi, première fois qu'on le chope. Toujours première fois qu'on le chope et une très belle photo en plus. Mission accomplie, on a qu'on a réussi la quête où il fallait le voir manger, ça c'est cool. Alors, on va garder cette ruine là, je trouve c'est cool. C'est combien? 33 000 quand même. Vous avez découvert un nouveau parcours au volcan lava cool, la grotte de lave bleue. Nice. Cette photo est vraiment géniale, je vais la mettre en ligne, tout le monde doit la voir. Oh, ok, merci. À propos, mes recherches ont même avancé, j'ai fait une nouvelle découverte. Ah, c'est cool. Eh bien écoutez, on va faire ça. D'abord, on note l'album à jour parce que je voudrais garder peut-être une photo au moins. Elle est où? Il est là. Voilà. Je la mettrai peut-être sur Twitter si j'y pense. Alors, quelle est ta nouvelle découverte? Éclaire-nous. Faut les choquer comme ça. C'est fou qu'il y ait des ruines dans un endroit pareil. Ah oui, on a pris une photo des ruines. C'est vraiment des humains qui les ont construites? Mais comment? Combien des ruines d'édifices humains semble avoir été érigé dans un but précis. Quant à cette ouverture que vous avez vue dans le mur, il semblerait que ce soit l'entrée d'un tunnel. Et d'après l'énergie relevée par nos capteurs, il se pourrait qu'il abrite un Pokémon luminescent. Yes. Il mène quelque part ce tunnel? J'imagine qu'il doit mener au cœur du volcan. Donc vous pensez qu'il est utilisé par un Pokémon? Je me demande bien quel Pokémon ça peut être. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir. Et bah écoutez, nickel, on va y aller. Trop bien. Oh, attendez, j'ai pas pris ma récompense. Yes. Au moindre impact, ça pourrait facilement déclencher une réaction. Ah bah c'est quand on a fait tomber l'autre, on refasse. Ça m'arrive tout le temps, ça, de réussir les quêtes, mais sans avoir débloqué la quête, et du coup, bah, je peux rien en faire, en fait. Ah, tu vois, pareil, voilà. J'ai pris une photo du Ptera en train de manger. Qu'est-ce que j'ai comme quête? Je dois faire une photo du Ptera en train de manger. Ça par contre, on l'a réussi. Pourquoi, hein?
Et ben c'est parti, la source Lumina, hein. Go go go. Alors, sur qui on va tomber? Un peu déçu. Ah non, attends, il se passe autre chose. Il se passe. Et tu fais aller une gamine là-bas toute seule, hein, je te rappelle. D'accord, il y en a deux. Essayer, bah comment te dire? Bouge pas ça? Pas une pomme? Rien derrière, hein. Et où ton pote? Il se casse. Ah, il y a son pote qui est là. Je mets de la musique. J'en peux plus de cette musique. Ça rend fou. Il y a un truc machin là-haut là. Je vais y arriver. Ah, c'est... mauvaise pour viser avec ça en plus. Ah, j'ai réussi. Ça sert à rien. Peut-être un autre ailleurs. C'est dur de viser là. Pas l'impression qu'il se passe grand chose. Pas viser plus haut. J'entends mais je le vois pas. Et là. Salut beau gosse. Je m'attendais à un gros Pokémon feu de malade et tout. Non, j'ai un papillon. Super. Génial, hein. Une pomme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah. J'allume les deux en même temps. Dis donc. Mauvaise. Il va y avoir un troisième là-haut. Ouais. Perdure, les gars. Vous vous rendez pas compte que vous me demandez de faire. Là maintenant lui là, il est super loin. Et tu m'étonnes. C'est quoi cette musique épique pour des papillons là? On se calme s'il vous plaît. Il faut allumer les trois en même temps mais c'est hyper galère. Il reste pas allumé super longtemps en plus. Pas trop où on va mais on y va. Hein. La musique. Les allumer les trois en même temps. Encore ce sera à la souris, je dis pas, mais à la manette, les gars. C'est beau. Je comprends absolument pas ce qu'il faut faire. Une pomme? Ah, là, énervé.
Oui, c'est éteint. Comment j'ai fait pour l'éteindre? C'est avec la pomme? Pomme? De bouger? Ah, là aussi j'ai réussi. Il est reparti. Mais peut-être que j'ai pas réussi, c'est juste qu'il décide de se casser, du coup il éteint son feu. C'est peut-être juste ça, hein. Je sais pas où il est. Je l'entends mais je le vois pas. Il est parti là-bas, là-bas. Salut, au revoir. Bonne journée. Le temps qu'il s'est arrêté, là, j'aurais pu allumer les trucs, mais je suis trop mauvaise pour ça. Moi je suis déçue, moi je m'attendais à avoir vraiment des bons gros Pokémon feu trop classe et tout, mais même pas. Parce que je vais vous montrer un autre Pokémon luminescent que j'ai eu juste avant. Et vous allez voir que le niveau est quand même différent. Bon bah j'ai que du une étoile. Même pas sélectionner un truc, tu me dis. Je vais pleurer. Non mais j'ai tout raté en fait. Je veux plus jouer. Je pense qu'il aurait fallu que je le tabasse à mort avec une pomme pour enlever ses flammes. C'est bizarre. Attendez, on va recommencer. Frustré là. Je peux le faire, je peux le faire. J'aimerais bien réussir à le faire. Coup des pommes. Aussi là. C'est beau. Oh, que j'ai réussi. Parti. Ouais, il y a son copain là. J'ai pas l'impression qu'il va refaire des flammes du coup. Donc, je crois que là on a réussi. Les autres sur lui, c'est hyper dur. Ah, il a remis ses flammes. Ouais, non, donc ok, ça reste pas. Ils arrêtaient de gigoter aussi là. Peut-être que j'y arriverai. Quel enfer. Je pense que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Comme ça. Ils ont trop, mais. Je reste quand même longtemps sans les flammes à partir du moment où je vais retirer, donc c'est plutôt cool. Pas ce que tu dis, tu perds comme photo alors que j'ai rien réussi à prendre, mais pas de soucis. Ça t'éclate, qu'est-ce que je te dise, moi. Là, il reste pas assez allumé longtemps, donc pas sûr qu'on puisse faire vraiment quelque chose avec. C'est beau. Un peu bizarre, mais beau.
sais pas de quoi là, vous êtes trop mignons. J'ai reçu allumer la petite fleur, c'est ça, hein, je comprends. J'ai pas vu, il y a une sortie là-haut. Bon, on a réussi à faire un peu plus de photos cool là déjà. C'est ça en fait, faut que je lance plusieurs fois des pommes dessus. C'est pas évident. Comment il se déplace tout le temps là. Cache là, il s'amuse hein. Y aller, je pense. Ah, non, il se casse. Ah, elle a l'air d'être sympa la photo que je viens de prendre là. Non, ils ont pas l'air d'être très intéressé par les fleurs. Juste une fois et puis ok, pas que. Ah là ça y est, là ça lui plaît là, là ça lui parle. Salut, au revoir. Bon, on a réussi quelques trucs. Il va mieux accepter mes photos quand même, j'espère. Attendez, je m'excuse par avance pour vos oreilles, j'ai envie de manger un Kinder Country. Peut-être faire des bruits de papier. Déjà, on va choisir une photo. La meilleure, c'est laquelle? On a pris du 4 étoiles quand même. Ah, c'est quand ils étaient tous les deux rassemblés. Tac. On va partir sur celle-là. Ah, une fleur, on avait déjà pris la fleur, mais on la prend pour les points. Allez, c'est parti. Là, on a pu faire. Là, on a eu le droit. Excusez-moi, je mange mon Kinder. Quand même. photos. Oh. Fais-tu bien de manger un petit peu de Kinder Country? Bon. Nouvelle île, nouveau Pokémon luminescent. Oui, cela concorde avec ce que le capitaine Victor racontait dans le récit de ses aventures. On dirait bien qu'il y a des Pokémon luminescents sur chacune des îles principales de l'Entis. Victor semblait l'avoir compris, mais je me demande bien comment il était arrivé à cette conclusion. C'est vrai ça, il dit dans son livre qu'il n'a vu que deux Pokémon luminescents pourtant. Certes, mais il a également écrit qu'ils sont au nombre de 4. Le mystère s'épaissit. Je te le fais pas dire. Et c'est bien ça qui rend nos recherches si fascinantes, pardon. Oui bah ça c'est la photo qu'on a prise, voilà, qu'on a galéré à prendre. Et il veut qu'on la reprenne.
Tu m'énerves. Bon. Waouh. Ah, attends, il se passe quoi là? Tiens, salut, comment vont nos photographes en herbe? Vous avez eu l'occasion de tester le parcours dont je vous ai parlé la dernière fois, celui de la base? Oui, c'était sympa, un peu de nouveauté. Tant mieux. Dans ce cas, que direz-vous de le refaire en partant d'un autre endroit? Changer de parcours vous donnera l'occasion de photographier les Pokémon sous un autre angle. Un autre endroit, c'est-à-dire, on partirait d'où du coup? Ici même, ça changerait, non? Les parcours partant d'ici et du laboratoire sont différents, donc cela vaut le coup d'essayer. Bah écoutez, allons-y. Essayer. Comment je choisis ma zone? Ah non, c'est pas comme ça. Expliquer, mais j'ai pas lu. Abandonner. Il y avait un bouton sur lequel appuyer que j'ai pas vu. J'ai pas pris de photo, laisse-moi tranquille, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. J'ai pas lu. Je pensais qu'il allait me dire faut juste appuyer là-haut. Et moi je comprends pas comment on fait pour partir d'une autre zone de la base. Hein. Ou alors il faut peut-être que je débloque le niveau 2. Ah non, oh, je suis partie d'un autre endroit là, ça y est. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. Il y a un ratata. J'ai des trucs à manger. Je vais le taper comme ça, il va vomir sur le ratata. Je le fais pas. Je suis déçue. On brûle paisiblement, oui, bah je vois ça, oui, effectivement. Désolé, ratata. Pour pas de pommes pour signer l'arbre. Hein. Oh la tête. Oh, il est trop mignon. Il veut bien manger. Oh voilà, je t'aime trop. Non mais oui, qui est là-bas. Vous, on vous connaît, hein. La bouffe. On est caché par là. Je le réveille avec de la musique. Il me balance un truc dans la tronche. Merde. Je suis désolée. Donc ça on le sait. Pikachu. Et un autre truc là. Merci pour le follow Insagamer, pardon. Je peux se cacher dans l'herbe. Oui, ben je veux bien, mais... Un caché dans l'herbe. Pikachu. Je l'aime trop. Changer de trajectoire, cool. Bon, par contre j'ai au revoir un non mais oui du coup. C'est de le prendre en photo de loin mais c'est évident. Pas où là? Ah bah carrément. Ok super. J'aimerais trop qu'on puisse rentrer dans le laboratoire. Je sais pas qu'ils vont nous faire ce plaisir mais... Si? Non. Oh c'est trop cool. Oh non c'est trop mignon. Ah non, c'est super sympa ça. T'es réveillé? Il s'en fout. Il dort.
Donc on revient par là. Très bien. Cool. Donc finalement, je vais pouvoir aller voir dans mes wings. Pas danser. Comme. T'en fous. Hein. Pas ton truc apparemment les pommes. T'es sûr que tu veux pas de pommes hein. Pardon. Tu es adorable. Oh la tête. C'est cool. Je pensais pas qu'ils allaient nous faire rentrer dans le laboratoire, même si c'était très rapide. Sympa. Alors, du simulacre 2 étoiles. Alors, on a celle-là qui est géniale comme photo, je trouve. Allez, ça part. Sapero, on a du 1 étoile, mais il nous en manquait du 1 étoile, donc c'est bien. Patata, on est monté quand même jusqu'à 2 étoiles. Hein. Celle-ci, j'aime bien celle-là. Mianias, rien de nouveau, malheureusement. Non, mais oui, on est monté à 3 étoiles. Nickel. Et Tourmi, ah, du 2 étoiles, ça c'est... Celui-là. Eden, on a eu qu'une fois, parce que ouais, on l'a tapé, puis il est tombé, et heureusement, on l'a plus revu. Petit Pikachu d'amour, le plus beau, le meilleur. Là, bah, rien de nouveau, malheureusement, hein. Mais cette photo-là est adorable. J'ai déjà reçu un message, je crois. Pas plus d'eau. De très intéressant. Mine de rien, ça avance bien. Hein. Alors, bon, allez, on va prendre celle-ci. Garde celle-là. Non, celle-là, elle est trop mignonne. Et combien? Assez long, hein. Monter de niveau, la base, hein. Alors, juste voir... Parce que je l'aime trop. Et je crois que j'en ai pris une autre qui avait l'air sympa. Alors celle-là. Celle-là, elle est exceptionnelle. Celle-là, elle va aller sur Twitter. Hein. Elle est géniale, celle-là. Cadavre au lieu de cadrage. Mais quand même. Bah, tu vois, ça c'est ton visage quand tu penses à tes cours. C'est aussi le mien quand je pense à mes cours, tu vois. Elle est exceptionnelle. Celle-là, elle est géniale. Franchement, je l'adore. Je peux te faire une banque à images de ce style avec ce jeu. C'est incroyable. Il se passe tout le temps des trucs. C'est génial. Bon. Où est-ce qu'on va? Ah oui, je voulais vous montrer l'autre Pokémon luminescent que j'avais vu. C'était... Oh. Et...
Voilà. Source Lumina. Voilà. Je comprendrai assez rapidement pourquoi j'ai été déçue des petits papillons là. Même s'ils sont stylés, qu'ils sont jolis et tout. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'on nous foute les papillons. Hein. Je pensais avoir un bon gros Pokémon de type feu. Là, j'ai vu, il y a un petit Magikarp qui est payé. Voilà. Vous voyez le délire là? Sors de l'eau. Montre que t'es beau. T'es belle, pardon. Ah voilà, nickel. Quelle beauté. Il y a plein de Pokémon qui n'avaient pas la dernière fois. Quand je suis venue là, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait que lui. Oh bien. C'est magnifique. Je vais leur donner des pommes. Des pommes. Oh, tu es beau. Oh non, tu es adorable. T'adopte. Pomme. Prends ta pomme. Adorable. Je t'aime. Et voilà, c'est effectivement pas la même chose. Hein. Et où? Perdu. C'est dessus. C'est Mikyo qui se bat. Peut-être t'as repéré que c'est l'air. Un truc en dessous de moi, mais je peux pas aller le voir. Pour montrer où il est. Hein. Le radar vite fait. Ah, les ruines. Il dort là-bas. Pomme. Pomme. Oh, pomme. Bonjour. Calmez-vous, madame. Oh, il brille, lui. Oh, oh. C'est magnifique ce qui se passe ici. Bien le bonjour. Oh, oh. Oh, punaise, je l'ai loupé. Il est où? Je vais le prendre en photo en train de faire ça, mais je l'ai pas vu faire. Oh, ils sont copains. Oh là. Il se passe plein de trucs ici. Ah. Allez. Vachement plus intéressant. On va réussir à éclairer le truc là-bas, mais... loin. Pas sûr de passer devant. De toute façon, qu'on s'en éloigne. Bonjour, beauté. Bonjour. Je t'aime. Ah. C'est magnifique. J'ai une pomme. Si tu veux la pomme. Oh oui, tu veux la pomme. Je fais beaucoup de photos. Je fais beaucoup de photos. On se concentre, on se concentre. Oui, je t'aime. Je sais pas si je casse le Magikarp s'il évolue. Incroyable. Bon, la fin du parcours. Coucou.
Bah, je me souviens que sur le premier Pokémon Snap, je crois que j'avais balancé. Alors, je sais plus si c'était une pomme ou un autre genre d'accessoire dans la gueule d'un reptincelle. Et je l'avais fait tomber dans de la lave et il avait évolué. Alors, où est-ce qu'on en est là-dedans? Bon, j'avais Magikarp, bon. Rien de nouveau, malheureusement. Milobelus, on a du nouveau, parce que moi j'avais pris du 2 étoiles, donc là je prends du 1 étoile, malheureusement. Ok, alors là, celle-là, elle peut rien dire comme photo. J'ai pas vraiment de photos qui sont sympas, hein. On part sur celle-ci. Puis on a du 2 étoiles, nickel. J'aime bien celle-là, elle est sympa. On part sur celle-ci. Plus rien de nouveau. Jamais je vais réussir à choper en 1 étoile celui-là, c'est fou. Hein. Mentali, on monte quand même à 4 étoiles. Nickel. Alors Majaspic. 3 étoiles, quand il fait la fête avec Milobelus. Petite rune antique. Voilà. Puis trop contente qu'on ait pu voir un Mentali. J'adore les Mentali. Vu que j'ai trouvé des ruines antiques, tu vas trouver quelque chose de plus. Nouvel endroit ? Tu n'as rien de nouvel endroit encore. Pas l'impression. Essaye de prendre en photo une fleur de cristal qui brille dans les fonds marins de Nentis. Ah, on l'a peut-être pas fait ça. On est pas trop retourné. Pas dans les fonds marins. Faut qu'on prenne une fleur de cristal en photo. Allons-y. Il a voulu me bouffer, ou il voulait bouffer le poisson, enfin l'autre... On va se calmer, hein. Vous êtes nombreux ici. Bonjour. Magnifique. Et donc je peux... Ah oui, j'ai pas pris de fleurs de cristal en photo encore. Donc je ne peux pas encore lancer d'orbe lumineux. Bon, ouvrons l'œil. Oh, je bouge plus. Il me bloque. Je peux casser. Je peux casser ce truc-là. J'aimerais bien que tu le casses. C'est vrai, mais... Il faut qu'on trouve la fleur. Pas celle-ci. Une pomme. Oui, c'était trop tentant. C'est triste. Je vais prendre en photo alors qu'elle sort dessus. Rouge. Rouge. Sort dessus. Hein. Je crois qu'il va bouger. On va dire que ça compte. On va dire que ça compte. Bon. Regardez bien.
C'est un petit bâtard. Hein. Il est trop fier de lui en plus. Bon, c'est la fleur en photo, donc on va pouvoir faire d'autres interactions la prochaine fois qu'on vient. Donc ça c'est. Lui lancer dessus. Elle s'en fout. Je vois qui est le plus gros. Trop mignon. Bien le bonjour. On en a croisé un. Hein. Mais c'était à la surface. Et oui, on en avait déjà croisé un. Bah, je crois que c'était pendant le premier stream de le jeu. Il me semble. Et qui se tire dessus. Arrêtez de vous battre. Oh là. Comme. Et de la musique, peut-être. Enfin, peut-être que je les illumine quand je pourrais. Imagine, je. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression d'observer de vrais animaux, quoi. C'est incroyable. À fond dedans. Il y a des bulles, il est quoi. Boum. Ah oui, donc là, je pourrais allumer celle-ci la prochaine fois quand j'aurai débloqué les trucs. Salut. Incroyable. Oh là là là, c'est magnifique. Réussi la mission qu'il nous a donnée. Un Magikarp, on va rien de nouveau. Écaillon, pareil. Lui non plus. Monsieur Woutier, c'est sympa. Love Disc, on a eu de la nouveauté, on a eu du 3 étoiles. Il est content parce qu'il vient de manger, super. On a eu du 1 étoile, donc c'est bien. Il fallait. Là, rien de nouveau. Là. Ah, du 2 étoiles. Là, j'aime bien. Oui, pareil. Bon, bah, rien de nouveau. Bon, on va mettre 3 étoiles pour apporter un peu de points. Quant à Cruel, nous avons du 1 étoile. J'aurais bien préféré prendre 2-3 étoiles pour les points, mais... La collection. Attendez, j'en ai une qui est vachement stylée, là. Super, celle-là. Et la fleur de Krista, ici. Où est tir, moi j'aime trop. Non, celle-là, elle est pas mal, allez. Nice timing. Bah c'est cool. Hein. Oui, il va nous débloquer les petites boules luminescentes, pardon, pour les fonds marins, ça c'est sympa. Chaque nouvelle découverte a le potentiel d'ouvrir de nouveaux horizons pour nos recherches. À propos, maintenant que nous avons davantage de données sur les fleurs de Krista, j'aurai une annonce à faire. Tu verras, c'est une bonne nouvelle. Oui, ben je me doute bien de quoi tu vas me parler.
Je veux juste voir, est-ce que j'ai une photo? Gardez, pas forcément. Non, pas forcément. J'ai enfin réussi à mettre au point des orbes lumina qui peuvent être utilisés à Copadia. N'oublie pas d'aller explorer à nouveau la plage et la surface des flots avec ces orbes en poche. Donc carrément qu'on va y aller. Carrément. Juste voir les niveaux. Niveau 3. Ah, je peux encore monter de niveau en fait. Donc niveau 3, c'était le maximum ici. Là, je suis niveau max et je crois que j'étais niveau 3 ici. Ah, attendez, du coup, si on en est où pour les niveaux. Niveau 2, on passe au suivant. Je sais, je peux remontrer le Wellord. Le Wellord, c'était ici, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Je dis peut-être une connerie. Qu'est-ce que j'aime cet endroit? C'est trop beau. Brille! Oh, tu brilles! Aussi brille! Magnifique! Oh, il aime bien! Oh, il est content! Une pomme? Briller! C'est beau! Quelle beauté! Et où? Oh là, il y a une fleur! J'ai pas vu! C'est rien de spécial! Oh! Oh, je l'ai eu! Carapuce! Oh là, vous êtes content. Énervé, je sais pas trop. Carapuce! Oh, tu as l'air d'avoir peur. Fais-moi un sourire. Oh, il a l'air terrorisé. Il peut mourir. Des pommes? Je donne des pommes, hein. Je peux pas me faire croire que c'est toi qui fais des... C'est pas le Wellord? Je sais plus. Ben, je ne sais pas, je ne sais plus. Il se passe rien. Magnifique. Ah, il est là. Le famoso Wellord, qui est énorme. Bonjour. Je souhaiterais passer, s'il vous plaît. Oh, il y en a deux. Vous allez faire des bébés? C'est un mâle et une femelle. Moyen qu'ils soient... Je veux des bébés, des œufs. Oh, je suis énervée. Non, non, t'es une pomme. Ouvre ta bouche encore. J'aimerais trop réussir à lui foutre une pomme dans la gueule. J'ai réussi. Vous me suivez? Ou bien... Lui fait des squats, c'est pas de soucis. Il vit sa meilleure vie lui. Là il y avait des autres Pokémon. Je sais pas si je peux interagir avec. J'ai peur de les péter. Casser.
évident, hein. Oui, je peux changer de direction. On va changer de direction. Oh, trop Mims. Un peu creepy, mais Mims en même temps. Fais coucou. Coucou. Une pomme. Content? Ouais! On bouffe ça. Je crois que j'ai réussi. Il manquerait plus que Broudou et Kyogre. Nickel! Oh. Elle l'a repris. Ah, j'ai plus de place pour les photos, merde. J'ai mitraillé comme jamais. Après, il me restait pas grand chose. Il me restait eux là-haut. Et c'est tout. Bon, sauf s'il se passe un truc de ouf, je vais être déçu. La musique. Il faudrait que je revienne les prendre en photo, eux, pour les illuminer. J'ai mitraillé, hein. Photo. Oh là là, quelle classe. Goélise, il nous manquait du 2 étoiles, donc c'est super. On va partir sur... J'aime bien celle-là. Écaillon, rien de nouveau. Hop, carapuce. C'est la première fois qu'on trouve un carapuce. Alors, mais ils ont l'air terrorisés. Vous avez vu la tête qu'ils font, les pauvres? Je sais pas ce qu'ils ont. Magikarp, bon, bon, ça change rien. Tout pareil. Des mantas, pareil. Rien de nouveau. On a que du 3 étoiles. J'arrive à choper du 2 étoiles. Alors, Wellord, on l'avait eu en 2 étoiles, donc on va prendre du 1 étoile. Celle-ci est pas mal. Pacogneur. Bah, lui, il faudrait que j'arrive à le choper en 4 étoiles. Béquipan. Ah, Béquipan, 3 étoiles, on avait déjà eu. On va prendre Béquipan, 2 étoiles. Béquipan, 2 étoiles, celle-ci. Cocon baffe. Alors attendez, parce que... Trop bien. Et là, oh bah il compte même pas celui-là. Voilà. Peur des chapeaux d'eau qui traînent dans le coin, peut-être, peut-être. Non, je vais garder celle-là, on le voit mieux. Mission accomplie, yes. On a combien de points? On a fait la moitié, hein. Il y a moyen que si on fasse le même style, on passe niveau 3 le récif. Gentil, un Sharpedo, attends, t'as déjà vu quand je lui lance une pomme dans la tête, comment il réagit? Il essaie de me buter. Va explorer Copadia, je suis sûre que tu vas y faire de nouvelles découvertes. Oui, je sais, mais alors attends, parce que... tu vois? Voilà, voilà. J'ai fait la photo tout à l'heure quand il se tirait dessus, hein. Mais merde. Par contre, j'ai réussi une mission.
Parfois, on peut se voir et voler rassembler tous ses amis pour jouer. Non, quand je suis venue, il dormait. Une pièce vide. Ah. Il doit y avoir un Pokémon qui est foutu là-haut. Non, mais oui, adore danser. Si tu veux le prendre en photo en pleine chorégraphie, tu devrais aller le voir quand il est dehors. Ouais. L'autre jour, un Etomis est venu me saluer. Et là. J'ai pas vu non plus. Mettre de la musique. Celle-ci. Quelle musculature! Trèfle à quatre feuilles. Et... Oh, énorme, mais paraît qu'il fait quand même des pourrettes avec son corps. Ouais, ok. Donc il veut vraiment des photos des Pokémon qui dansent là par contre. Bon, on va retourner là où il m'a dit. Hein. Moi, je repartirai bien ici encore hein, parce que je pense qu'il y a moyen qu'on puisse monter niveau 3. Cette fois, on change pas la route pour voir ce que ça fait de l'autre côté. Et on va voir si un Sharpedo c'est gentil. Arrête de bouger, je vais te lancer des trucs dessus. Faut des Pokémon pour les points, pour l'XP. N'oublie pas, c'est important. Adorable. Il s'énerve pas, d'habitude il s'énerve le Sharpedo quand on mange tout dans la gueule. Pas genre t'es gentil. Lui il va venir se faire son petit saut je crois. Bon, on aurait essayé. Je pense que je vois comment je peux faire avec ce truc. Que je mette beaucoup de pommes. Il n'y aurait pas un Léviator là-dedans là. Hey, hein, mais Magikarp qui fait le con. Il se passe rien. Hein. J'ai l'impression qu'on a fait l'air. Hein. Bonjour. Pas que vous prenez un peu de place, mais quand même quand. Lancer dessus. Je veux une pomme. Oh, écoutez, hein. Pas d'effort aussi. J'aimerais vraiment réussir à faire un truc avec ces deux là. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va faire, mais. La pomme. Il a voulu la pomme, mais ça a bugué, il a pas pu la prendre. Oh, écoutez. Vous êtes mignon.
Là, on va pas changer de route. On va aller voir. Non, ça va. Pas sûr que ça nous change beaucoup. Là, voilà, ça nous proposait de changer de route à partir d'ici. Mais je pense. Oui, ils aiment bien. Ça me mène directement à la fin, mais je passe à côté de ceux-là. Oh, ça. Il y a une fleur de... J'ai l'impression. J'aurais peut-être dû le faire avant. Mais qu'est-ce que vous foutez? Sortez. Corail en fait. Ah ok, super. Super. Génial. Alors, bon, voilà, rien de nouveau. Par contre, je prends quand même des trucs qui sont nouveaux, donc c'est cool. On va prendre ça pour faire des points. Là, on a rien de nouveau, donc on prend le plus cher pour faire des points. Enfin, le plus cher et le mieux noté. On a du 2 étoiles chez les petits carapuces. Puis là, nickel. Coraillon, bon bah rien de nouveau. Des mantas pareil. C'est fou, hein, c'est soit je prends du 1 étoile, soit je prends du 3 étoiles, mais j'arrive pas à faire le juste milieu quoi. Alors là, ah, on a quand même du 3 étoiles. Combat, faut en prendre de 2 étoiles. Équipant, ah bah du 1 étoile, et bah voilà. Voilà. Bah écoute, même si celle-là vaut plus cher, moi je préfère celle-là. Hein. C'est gentil, Spectre. C'est bien digne d'un VIP, ça. Non, ça, la bouche ouverte, elle est quand même pas plus drôle. Une course poursuite, il a dit. Oui, oui, c'est bien. À 5 contre 1, tu sais. On y est presque. On va le refaire encore une fois et on passera de niveau. En faire tout l'église là-haut, il est bizarre. On va refaire le grand trajet hein, qu'on avait fait tout à l'heure. Allez, vas-y, fais ton petit saut qui donne des points là. Donne des points, donne des points. Oui. Il réagit pas, peu importe ce que je lui fais, c'est bizarre. T'as peur, hein, Carapuce. Je sais pas du tout quoi faire ici, hein.
Quand c'est comme ça, il sort pas. Hein. Non, je peux rompre ça des pommes. Hein. J'arrive à lui taper dessus. Super dur. Ingérable même. Pas du tout ce qu'il faut faire. Ah, il y avait une fleur là-bas. Ah, c'est peut-être ça qu'il fallait faire. Comment ? On réessayera. Bonjour. Ne penche pas. Pas de pomme, hein, toi. C'est bizarre, ton pote, hein. Oh, roule, 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 c'est pour ma quête. Roule, c'est pour ma quête. Oui. Il est super concentré dans sa musculation, lui. Grand tour, mais maintenant que j'ai vu qu'il y avait les machins là, peut-être plutôt faire le petit tour encore. Hein. Regardez ça, barrer l'autre, peut-être, je sais pas, je vais peut-être sauver une vie aujourd'hui. Ça vous plaît quand je fais ça? Ah, ça vous plaît pas? Bizarre, hein. Alors, vas-y, donne des points. Je veux des points. Alors, on prend là, comme tout à l'heure, on fait ça pour faire les points. Ensuite, une étoile aussi, tac. Et Manta. Ok. Waylord. Alors, Waylord. Waylord, la quête. Waylord, la quête. On suit là. Ensuite. Pour Astérie, on avait donc du 3 étoiles, donc là on passe sur du 2. Hop. Pacogneur. J'arrive pas à le prendre droit lui, hein. Enfin celui-là c'est pas mal. J'aime bien. Écoraillon. Voilà. Vas-y, régale-nous quoi. Allez, je prends un petit chewing-gum. Et tu as compris, c'est ça qu'on veut. Ah,
Allez, un petit level up. Nickel ça. Oui, il va se passer de nouveaux trucs quand on va y aller. Retourner explorer les fonds marins de l'Entis. Oh, mais elle est ailleurs. Attends, je suis en arrière, ce qu'on a vu. Les quêtes, ouais. Bref, on va aller au fond marin après, promis. Voir à fond. Pas récupérer. Parti, hein. On écoute, hein. Nous a dit d'aller au fond marin. J'ai pas très très envie d'aller au fond marin, mais tant pis, hein. J'ai accès à ça. Hein. Et vu que tu brilles, tu vas taper plus fort et libérer le chemin. Jamais, hein. Yes. Trop bien. Donc le fait de l'avoir rendu tout rose brillant, ça l'a rendu plus fort. Intéressant. Yo, retourne, regarde-moi. Incroyable. J'adore ce Pokémon. Oh, tu es trop mince. Pomme. J'ai l'air de vouloir de pomme. Une pomme dans ta tête. Calme, non? Non, attendez. Il faut que j'arrive à allumer ça. Oh yes. Il se passe des trucs là. Oh, tu m'as fait peur. Faut pas faire ça. Waouh, le jumpscare dans Pokémon, quoi. Il crie comme ça, mais calmez-vous. C'est de toute beauté. On va pouvoir les approcher un peu plus quand même, parce que c'est vachement beau ces Pokémon.
un truc là. Pas lancé. Et là. Superbe. Sors de là, là. Il y en a un qui sort. Ta tête. Oh, regarde-moi. Nickel. Et là-bas. Non, j'en peux plus, c'est trop mignon. Je vais mourir. Toi, tu dors? Oh, il fait rien de spécial, lui, hein. Va y arriver, ça. Ah, non. Non, mais il a l'air trop triste, en plus, parce qu'il a pas son amoureux. Qu'on revienne absolument, qu'on y arrive. On reviendra, on lui trouvera son amoureux. Silence. C'est bizarre. Il faut qu'on revienne. Regardez la tristesse dans ses yeux là. C'est pas possible, hein. Il faut qu'on revienne ici, hein. On n'avance pas là. Merci. Faut qu'on revienne absolument. Déjà. Hop. Ensuite Magikarp, bon bah on change pas une équipe qui gagne, hein. Une étoile. Voilà, Loupio. Alors Loupio, on est monté jusqu'à 2 étoiles quand même. Tentacruel, on est monté à 3 étoiles. Hop. Alors Lumini. 3 étoiles, on craint de nouveau malheureusement. Lui, on l'a juste eu une fois, après j'étais partie mode meilleur. Vous là, les petites beautés, regardez-moi, oh non mais, regardez celle-ci, elle est incroyable, il faut absolument que je la sauvegarde, il faut que je pense à la sauvegarder, elle est géniale. J'ai pas réussi à prendre les ruines en photo aussi, je viens de voir. On va faire des points là.
Cette photo là, elle est incroyable. Un petit level up. Enfin, presque. De toute façon, on y retourne pour l'autre qui est malheureuse. Mes recherches ont bien avancé, j'ai fait une nouvelle découverte. Oh! Alors d'abord, une mission très importante. La meilleure photo du monde. Elle est où? Celle-ci. Non mais regardez-moi ça, elle est géniale. On la garde. Encore fait quelque chose de spécial, toi, non? Le professeur a abandonné ce qu'il faisait pour courir analyser des données que tu as envoyées. Professeur, alors, vous avez découvert quelque chose? C'est bien possible. Tu as aperçu des ruines au fond de l'océan, n'est-ce pas? J'avais le pressentiment que cet endroit aurait un lien avec les Pokémon luminescents. Et en jugé par cette signature énergétique que nous avons détectée, j'avais raison. Cette énergie semblait provenir d'au-delà des ruines dans les tréfonds de l'océan. Cool. Ah, alors c'est pour ça que le capitaine Victor n'a jamais pu atteindre cet endroit il y a 100 ans. Mais, contrairement à lui, nous avons le Neo One pour nous aider. Comme d'habitude, je compte sur toi. Oh, j'en ai... Je viens de voir que j'ai les quêtes. Ah, apparemment, il y a un Staros qu'on peut trouver là-dessous. Peut-être là-dedans. C'est Cookie Pearl qui nage. J'ai pas vu ça. Vous savez que les Tentacruels dansaient avec des viscuses en plus, c'est trop stylé, j'aimerais trop voir ça. Bon, je vous propose qu'on aille faire d'abord le pouvoir de l'amour. Et ensuite, on ira à la source Lumina. Et le pouvoir de l'amour est important. Je m'en veux trop de ne pas avoir vu qu'elle était seule et abandonnée. Donc il faut absolument qu'on aille l'aider. Photos pour des points. Des points, on aime les points. Tiens. Je pense que le chemin est déjà déblayé, hein. Mais dans le doute. C'est pas déblayé, faut le refaire à chaque fois. Faut le refaire à chaque fois, hein. Je peux y aller, merci. On a une mission. Prendre une viscuse heureuse. Et mourir d'amour pour les Loupio. Mon dieu, qu'est-ce que je les aime.
Ils sont très mignons, mais par contre, j'ai pas vraiment vu de quoi les faire réagir à chaque fois. Bizarre. Ah, là-bas, il y a un truc. Comment on fait? J'arrive à viser, mais les gars, vous connaissez ça. On voit pas ça. Je l'ai raté. C'est super dur. Si on leur lance des trucs, j'ai pas essayé, je crois. Oui, autant. Ah non, mais à chaque fois, tu vas me faire peur, toi. Hein. Ils sont tous tristes jusqu'à ce que je les illumine. Je crois que c'est bon là. Non, il y en a là-bas que j'ai oublié. Je suis sûr qu'il faut tous les allumer comme ça. Réussi au final. Ok. Coucou fraise. Comment faire pour trouver. Quoi, t'as fait où? Vous avez vu la pomme peut-être? J'ai vu la pomme. Très bien. Et c'est pas ça qu'on veut de toi. Nous, on veut que tu nous trouves un Staros ou un Starry. Je sais plus ce que tu dois chercher, mais. Cherche. Cherche la bébête. Comment faire pour celui-là? Maintenant, bah un coquille perle. Coquille perle qui nage, coquille perle qui nage. On devait trouver un coquille perle qui nage, on l'a. C'est dur de viser. Bon, n'oublions pas notre principale quête. Le pouvoir de l'amour. Déjà toi, je te fais une photo. Beau, wow, c'est beau. Ah, nickel. Faites-vous là, aimez-vous. Vous n'êtes pas là très content. Si je mets de la musique, c'est un peu mieux ou pas? Si, ça y est, ça va mieux. Trop bien, vous êtes adorable. Et les ruines, mais moi j'arrive pas à les prendre en photo, les ruines ça les compte pas, ça prend le sarmurail en photo, c'est chiant. Plus du pouvoir de l'amour par ici là. Oh t'es malheureux, hein, c'est le problème. Courir. Ah. Ne serait-ce pas ça la ruine? Nickel. Bon attends, celle qui était toute seule, elle est là-bas. On va y arriver encore, hein, c'est super loin. Genre, ça a pas touché. Non, j'ai encore raté. Mais c'est super dur. J'arrive pas à viser avec ces trucs-là. Ça, je lance trop loin. Ça, je lance trop près. C'est chiant. On va réessayer tout à l'heure. C'est pas grave. Toi, tu veux pas te réveiller, toi. Hein. Ah, là, j'ai réussi. C'est rien. Une pomme. Moi, je pensais qu'il fallait allumer ça pour qu'il se passe un truc, mais effectivement, non, il se passe rien. Bizarre. Sauve-moi.
Tu danses, t'es adorable. Bon, bah, il va falloir aller voir le Pokémon luminescent, du coup. Je pensais que ça allait éclairer. Il devait y avoir autre chose à faire. C'est pas du tout quoi. Il y a peut-être une deuxième fleur allumée quelque part qu'on n'a pas vu. Il y a énormément de secrets dans ce jeu, hein. C'est incroyable. Allez, un petit level up, par contre, ça c'est cool. Alors, hop, de l'XP. Nous on aime l'XP. Oh, moi j'adore. J'aime trop. Par contre, tu vois là, ça fait 2 heures que je stream. Je pense aller juste un peu dans la nouvelle zone. Et je pense qu'après on va s'arrêter parce que bah c'est pas un jeu non plus, tu peux y jouer 8 heures d'affilée quoi. On a eu du 4 étoiles, mais on est trop fort. Ah, on avait déjà eu du 3 étoiles, donc on va rester sur le 1 étoile. Oh, celle-ci, elle est tellement triste comme photo. On va quand même prendre celle-là. Ça, je sais vraiment pas comment le faire réagir. Allez, de l'XP, on a l'XP. Nice timing. Best timing. Regarde celle-là, elle est sympa. Best timing. Ah, on va pouvoir changer, celle-là elle est un peu mieux quand même, on le voit mieux. Ah non. Quête accomplie. Voilà, un petit niveau 3 sur les fonds marins. Vous avez pris 100 photos de catégorie diamant. Hey. Allez, on va rentrer à la base, on va regarder les missions et on va partir voir le Pokémon luminescent de l'océan. En espérant que ce soit un petit peu plus cool que le Pokémon luminescent du volcan parce que je suis toujours déçue. Alors déjà, catégorie... Attends, on va aller à Topadia, je crois. L'Obdisque adore se reposer dans le corail des coraillons. Et si tu essayais de prendre une photo avec ces deux Pokémon... Ah, j'avais pas vu ça. Poképerle qui nage, ça on l'a fait. On a gagné quoi? D'accord. Pas ouf. Je n'utilise pas trop la retouche photo sur le jeu, faudrait, hein, mais... Je me demande quel genre de réaction entretiennent ces samouraïs qui vivent dans les fonds marins. Mais pour moi, ils ne bougent pas, alors ça va être compliqué. Mamambo, j'en ai pas vu de Mamambo. Maintenant que j'ai débloqué le niveau 3, peut-être qu'on va pouvoir en voir un. Bon. On se recentre, on se concentre et on part vers notre dernière mission du jour, parce qu'après je vais arrêter. On n'a toujours pas trouvé de zone avec de la neige. Hein. Ça me semble bizarre quand même, parce qu'il me semble bien qu'on a des Pokémon de... Peut-être les vitrées de pommes. Ah, c'est pas con ça. J'essaierai la prochaine fois. Allez, parti. Oh, c'est un peu angoissant ici. Je vais me faire bouffer. Elles sont vachement sympas les cinématiques dans le jeu. Hein. Plein de petites photos.
En forme solitaire, on doit prendre les... peut-être les mettre en mode... Mange. T'es content. Alors, si les... ils seront tous contents, ils vont peut-être se mettre en forme... Oh, il se casse. Je sais pas où il va, il s'en va. Bah écoutez, on va tous leur foutre des trucs comme ça, ils vont être contents. Hein. Moi je sens bien le coup de il faut tous les rassembler, mais impossible. Ah non, il se casse quand même, c'est bon. Il vient soleil et lune celui-là. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, moi j'ai pas fait soleil et lune, donc je saurais pas dire comment il s'appelle. Mais je vois comment il est. Mais je connais pas son nom. Oh, le premier coup. Et si c'est de faire briller tous ces froussardines. Bah. Vache, quelle beauté. D'accord, donc c'est froussardine forme banc. Ok, c'est effrayant. Je savais pas du tout, je croyais que c'était un autre Pokémon. Ça va être son évolution peut-être, je ne sais pas. En fait, ça c'est. Ça ne mange pas. Hein. C'est effrayant. Vache. Il faudrait déjà que j'arrive à le tirer dessus. Ça y est, il brille. Il a brillé un petit peu. Reviens. Ah ouais, il faut que j'arrive à les éliminer. Hein. Dur, j'ai pas visé, moi je suis un boulet. Pourquoi si je fais avec la fleur ça marchait bien? Le problème c'est qu'il faut tout à côté de la fleur pour que ça fonctionne. Il y a d'autres fleurs quelque... Oh, c'est beau. C'est parti aussi. Parti, parti. On a dû réussir. Ça représente un groupement de fous sardines. Non mais les gars. Pas possible, c'est carrément un autre Pokémon. Gardez le truc. Reviens un peu vers moi s'il te plaît. Pas que je galère un peu mais quand même. J'arrive pas. Ah je peux. Oh c'est chaud. J'arrive pas à le tirer dessus. Pas de fleurs. Ici, ici. Pardon. On est un peu trop près quand même. Bonjour, tu fais très beau. Je suis un peu moins déçue qu'avec les papillons là. La façon de faire, genre qu'il faut que je rassemble tous les froussardines ensemble en les illuminant, je trouve ça très rigolo. Un peu chiant parce que je suis très nulle. Peut-être petite fleur quelque part. Marchait bien la fleur tout à l'heure. Oh la vache. Il y a une fleur là. Je passe à côté mais il y a une fleur. Peut-être repasser à côté. Ouais, faut que j'arrive à les illuminer en fait. Peut-être pas tous, mais quelques-uns, voilà. À partir du moment où tu en as certains qui sont illuminés, ça suffit pour faire revenir le gros. Je trouve vraiment effrayant. Il va me bouffer, hein. Oh là là. Ah, là, il est bien. Là, il est bien. Vas-y, Gérard, bouge. C'est beauté. Oh, elle est sympa, la photo, là. Alors, par contre... Oh, mon Dieu, mais ne fais pas ça, ça va pas la tête. Il va me bouffer, il va me bouffer. Oh non, moi je...
et t'envoie une gamine de 10 ans toute seule dans les fonds marins. Bon appétit, Fraise. Je crois qu'il est déjà 19h15. À manger après aussi. Avec le cookéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un placement de produit cookéo. Ah, bonjour. Enfin, les photos là, vous êtes beaux là, vous êtes trop beaux. Une fleur quelque part pour que ça aille plus vite. Jamais tous les illuminés, il y en a qui gênent. Ah ça y est. Ah c'est la fin. La fin. Et où? Je crois qu'il m'aime bien. C'est bon, on peut rentrer là. Ça m'a fait peur. Et... C'est bon? Comme ça, je les ai eus. Oui, bah oui. Moi non plus. On arrive. Il m'aura fait peur le jeu aujourd'hui. Hein. Juste moi j'y joue collé à mon écran, tu sais, donc. En VR, ça doit être vachement sympa. Alors, voyons voir. Ah, ça me compte comme un seul Pokémon quand même. Hein. Oh là là, quelle horreur. Je vais prendre ça parce que c'est du 3 étoiles, mais... Ou alors je prends pas ça. Je prends du 2 étoiles. Je crois que j'en ai pas vraiment des où on le voit bien. Hein. Bon allez, écoutez. On prend les points. Tant pis. Tant pis. Normalement, ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Je suis censée avoir vu tous les Pokémon luminescents. Voir si ça me débloque quelque chose. Et level up, parce que chaque fois, il n'y a besoin que de 1 d'XP pour cette quête-là. C'est cool. La prochaine fois, il y aura plus de trucs. Ça, maintenant que nous avons davantage de données sur les Pokémon luminescents, j'aurai une annonce à faire. On arrive, on arrive. En train de réfléchir, quand est-ce que je pourrais retourner en stream sur le jeu, week-end ? Parce que bah, jeudi, si tout va bien, on stream Grounded avec les copains à partir de 18h, je crois, si je dis pas de conneries. Demain, je peux pas stream parce que j'ai un rendez-vous médical après mon cours. Vendredi, je termine le boulot à 18h, je crois, donc je pourrais pas non plus. Donc peut-être samedi. J'ai bien envie de retourner un petit peu sur Pokémon Snap avec vous. Et c'était ça. Voir ce qu'on débloque là. Alors, mais pourquoi c'est tout le temps toi qui croise pardon, des Pokémon luminescents? C'est trop injuste. Oh. Peut-être parce que c'est la seule qui va sur le terrain. Non,
mais il y va aussi, lui, hein. Mais il prend des photos de merde. Ne t'en fais pas, Phil, ton heure viendra. En tout cas, nos dernières trouvailles semblent indiquer que l'impact de la météorite s'est fait ressentir sur un très large périmètre. Ça va dans le sens que vous disiez, professeur. J'espère qu'aucun Pokémon n'a été blessé. Si l'impact a eu de telles répercussions, il a forcément dû causer des dégâts considérables. Mais ce qui est curieux, c'est que nous avons trouvé... Pardon, nous n'en avons trouvé aucune trace nulle part. C'est vraiment bizarre. Vous pensez que le Pokémon luminescent qu'on vient de voir était le dernier? Figure-toi que je viens justement de faire une découverte intéressante à ce sujet. Je vous en parlerai quand nous serons au complet. Cinématique? Yes! Ah, donc on va avoir des nouvelles zones. Nice. Ah, super. Ah, je suis contente. Bon, récapitulons. Comme vous le savez, nous avons à ce jour exploré 4 zones, chacune abritant des Pokémon luminescents différents. Et ils étaient tous beaucoup trop beaux, sauf les papillons. Nous avons... Non, c'était beau, c'est vrai. Une mauvaise langue. Nous savons aussi qu'à chacune de leurs apparitions, nos capteurs ont enregistré une grande quantité d'énergie provenant de diverses zones de la région. Ça voudrait dire qu'ils communiquent entre eux? Une possibilité, mais ce n'est pas tout. Nous avons également réussi à localiser l'emplacement de la 5e source d'énergie identifiée par nos capteurs. Hein? Ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin de nos aventures? Oh bah non. Oh mais, hey, mais Spectra, bien joué. Tu deviens super fort à ça. On dirait bien oui. Notre 5e et dernière destination sera cette île juste ici. Oui, je vous avais dit que je voulais la neige. Ah bah, vous savez quoi, j'y vais pas. Et j'y reproche un stream. Et je vais me retenir de jouer et on ira ensemble samedi. Samedi après-midi. Ah non, je peux pas, samedi soir. Ça dépend quelle heure ils terminent leur truc. Attendez, faut que je réfléchisse. Parce que, ou alors je stream. Attendez. Peut-être... Non, vendredi. Oh, je peux pas stream sur le jeu. Attendez, je réfléchis. Je veux pas y aller sans vous. Parce que j'aime trop les Pokémon de la neige, donc je suis sûre qu'il y a un Goopix d'Alola, donc déjà de base, voilà. Samedi matin, je travaille, Spectra. Je travaille, c'est pour ça que je suis emmerdée. Ou alors, jeudi c'est férié, jeudi après-midi. Parce que, genre, je crois qu'on stream vers 18h sur Grounded avec l'Otandar et tout. Donc... Enfin, l'Otandar et tout, mais non, il n'y a plus que l'Otandar et Flavos. Du coup, jeudi dans la journée, genre, si c'est 18h, genre je peux stream à 16h. Comme ça, on fait le stream sur Pokémon Snap, après on enchaîne avec Grounded, ça peut être pas mal. Je pense qu'on va faire ça, je vous redirai ça. Eh mais, c'est de la neige qu'on voit là? Oui, on dirait bien que cette île en est entièrement recouverte. Je veux trop voir ça. Et moi donc, même si le capitaine Victor n'a jamais atteint ce lieu, donc nous n'avons tout à y découvrir. C'est parti pour l'exploration. Je peux pas y aller tout de suite parce que j'ai dit que j'arrêtais de stream. Je fasse à manger. Mais du coup, ouais, je pense, je vous redirai ça, mais peut-être jeudi vers 16h. Faut que je vois à quelle heure ils veulent faire, ou alors même si je fais que une heure sur Pokémon Snap, c'est déjà bien. Juste pour découvrir la zone de la neige. Donc je vous redis ça, hein. Je ferai des pings sur les Discord, sur le Twitter, et puis... Quand je cherche, parce que... Ça. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce petit stream, c'était très sympa. J'ai duré beaucoup plus longtemps que j'aurais cru, je pensais aller faire une heure et demie. Finalement j'en ai quasiment fait deux et demie même. Ou bah jeudi peut-être vers 16h, on se retrouvera sur Pokémon Snap. Jeudi toujours vers 18h, si je dis pas de conneries, il faut que je revoie avec les copains sur Grounded avec l'Otandar et Flavos. Et puis après, bah, dimanche matin, Stardew Valley, les basiques, hein, vous le savez. Du coup, bah, merci d'être passé, c'était cool. Moi, je vais vite aller faire à manger parce que là, bon. Après, pour que mon amoureux, quand il rentre, il soit content. Du coup, bah, je vous fais des bisous et puis je vous dis à jeudi. Bye bye.